Et salut tout le monde, c'est Silverlinker, on se retrouve pour les premiers épisodes bonus pour du coup continuer l'aventure. J'ai juste quitté le monde qu'on venait de quitter parce que j'avais vu du coup dans le générique de fin qu'il y avait un ours grizzly, je crois, ou je ne sais plus lequel, à la neige. Et on va aller le chercher. Et comme vous pouvez le voir en bas à gauche, il y a une fleur qui vient de pousser sur le petit chemin. Donc peut-être que vu qu'on a battu les robots, ils ont pu pousser. Alors comment on rejoint le truc là-haut là ? Ah, par là, voilà. La base de Blizzard, on l'a pas vu lui. Alors lui il a le cadeau, d'accord. Mais c'est une diablerie, comment on fait machin ? Je m'appelle Blizzard, je suis ici depuis 3 semaines pour me préparer à escalader le K3. Je vais certainement marquer l'anniversaire de mon ami Blue. Peux-tu me rendre un service, Kong? Oui, voilà. Donc du coup, on va pouvoir aller donner ça à Blue. Il va avoir plein de petits schmilblick à faire entre les ours. Voir ce que ça débloque. Allez, du coup, on se barre. Blue, il était où? Il était à la flotte, je crois. Hop, on va récupérer la fleur aussi. Voilà, qu'on va redonner à ce monsieur ici présent. Je suis heureux que ces horribles machines soient détruites. Mes fleurs vont pouvoir pousser. Tu en as une? Super! Fibliperius, Pelanus, Pongus, Flupé. J'ai pas eu le temps. Tu vas bien me la donner? Oui, si tu veux, mon vieux. Et du coup, il nous file un petit piaf. Un oiseau banane. Un bananus volé. J'ai pas fini. J'ai fini de l'étudier. Certains ont des pouvoirs magiques, tu sais. Ah, donc ça veut dire qu'à la fin, autant ça va nous débloquer quelque chose de magique. Alors, allons voir Blue. Voilà, la cabane de Blue. Qu'est-ce qu'il va nous donner en échange? Hop, un cadeau pour moi, merci Kong. Mais qu'est-ce que c'est? Wow! Mais c'est une boule de bowling. Cool, méga funk, top, c'est trop lourd pour moi. Garde-la, ok. Et du coup, lui, il nous a donné ça. Je pense que ça va être la munition comme boulet de canon pour ici, là. Pour Mécanos, pour le bazooka, du coup, si je dis pas de bêtises. J'aimerais tellement m'en servir une fois des munitions. Qu'est-ce que tu as? C'est un boulet de canon. Ça fera peut-être l'affaire. Allez, mise à feu. Donc il va nous dégager à coup de canon, si je dis pas de bêtises. Normalement, juste au-dessus. Voilà. Et du coup, la planque perchée pour pouvoir avoir un nouvel oiseau banane. Y, X. Tout bon! Voilà! Alors, comment on fait pour descendre? Bon, on saute tout simplement. Alors, du coup, est-ce qu'ils nous disent autre chose ou ils nous disent de remonter tout simplement? Quel bruit mélodieux, ça fait du bien, tu veux refaire un essai? Pas encore, chef. Allez, du nerf, ça me va. Ok, bon, du coup, on a tout ce qu'il faut. Les ours, du coup, on les a tous débloqués ou pas? Lui, qu'est-ce qu'il nous disait au fond? Lui, on lui a filé son coquillage. Lui, c'était le record à battre. Lui. Blunder. Ah oui. Tu n'as pas trouvé le monde perdu. Tu n'as sans doute pas tourné autour de rochers assez vite. Non, c'est fini. Je te donnerai plus d'indices. Ok. Donc, ouais, là-haut, il y a des rochers. Oh, oups. Voilà. Donc il faut tourner autour des rochers assez vite. Ah, c'est chaud. Ah, c'est pas évident. C'est autour des rochers comme ça ou c'est autour des rochers autrement d'ailleurs? Ah bah si, c'est comme ça. Ah bah voilà, l'île cachée.
Et du coup, le Cremata. Ok, ça fait tout un tour. Abri de boomer, oui, parce qu'effectivement, là, on peut pas aller à gauche, on a rien. On peut aller sauvegarder, on va faire une petite sauvegarde de Wrinkly. Voilà, silence, con, c'est ma dernière vie, tu me déconcentres. Il nous manque encore un objet. Ah, bah, ça doit être la clé, là. Tu vas pas me faire partir. Tu ne vas pas partir sans me faire une bise. Mais faut pas te déconcentrer, faut savoir ce que tu veux, mamie. Ah. Bon, allons voir Boomer. Boomer, qu'est-ce qu'il veut? Hello, moi c'est Boomer. Moi ce que j'aime c'est casser tout plein de trucs, alors on m'a banni. Il paraît que je suis dangereux. Destruction. Mes frères se contentent peut-être des pierres sources, mais moi je préfère celle en or avec un B dessus. Si tu m'apportes 15 B, je te montrerai pourquoi on m'appelle Boomer. Tu veux bien me filer quelques piécettes. Donc c'est à lui qu'on file les pièces. Jamais tu m'entends, allez pourquoi pas. Allez, on lui file. Tu as le droit à 3. Regarde combien. 2, 3. Ah, du coup je lui ai filé. Ah oui, j'ai pas eu le choix en fait de lui donner 45 pièces. Boum. Boum. Ok. Donc il me manque encore 1, 2, 3, donc il me manque encore pas mal de bonus. Je serais d'avis à vous laisser ici, reprendre quand je trouve un bonus nouveau que je n'ai pas fait, pour reprendre quand j'ai un bonus, même si la vidéo sera plus longue je pense, même j'arrêterai, peut-être je ferai plusieurs épisodes, pour faire le monde en entier, en début d'épisode, un épisode bonus et avoir tout débloqué, donc les... enfin tout débloqué, voilà. Du coup, je me dirige directement au monde... je suis bloqué. Au monde 1, qui n'est pas terminé, le lac Organtanga. Et du coup, je vais directement au niveau concerné, c'est-à-dire celui-ci, où il me manquait un bonus. Du coup, je vous laisse... je fais une petite ellipse jusqu'à quand que je trouve le niveau bonus. Voilà, à tout de suite. Et nous voici devant le bonus qu'on avait raté. Du coup, j'ai compris à force de refaire qu'il fallait rebondir avec Kiddy quand il roulait. Donc on va essayer de pas le fail, bien sûr. Bon, ce n'est pas un fail. Et du coup, je pense avoir la dernière pièce, nous allons voir ça tout de suite. Voilà, tac, oh c'est cool, au pire on était là, on quitte pour voir. C'est bon, on a tout, on passe au prochain monde. On se retrouve du coup pour le prochain bonus. Alors vous vous souvenez du premier niveau du deuxième monde, on avait passé tout le monde, tout le truc, parce qu'on avait trouvé un tonneau W là, je savais pas ce que c'était. Oula. Donc du coup ça m'avait permis de traverser carrément toute la map. Et voilà, la première pièce bonus est acquise. Hop. En avançant un peu, on a pu voir qu'il y avait ici, hop, la première pièce DK, enfin la seule et unique hein, d'ailleurs, pièce DK. Et la dernière a été trouvée, tout en haut du stage. C'est chaud ça. L'avantage c'est qu'on peut y retourner au cas où. Ah, 3 rapides. Ouais, si tu veux. Ah, c'est déjà fini? Ouais, du coup. Oh, j'en étais sûr! Mais sûr et certain! Bah regardez, venez avec moi. Ah, on a plus que 6 vies. Le fait d'avoir recommencé comme ça, ça nous a perdu toutes nos lives. T'es sérieux? Ouais, merde. Hop, hop. D'ailleurs, je pense que... voilà, ce sera les quelques pièces bonus que vous allez voir, parce que c'est assez compliqué de... désenregistrer, enregistrer, réenregistrer. Enfin, pas que je ne veuille pas le faire, mais c'est pas évident. Donc vous verrez cette pièce bonus-là. Je ne vais pas tricher, j'en ai aucunement l'intention.
Donc le but du jeu pour moi est de finir le jeu à 100%, enfin même plus de 100%, vu qu'il y avait Cranky qui était à 103%. Donc il n'y a aucune raison que je n'y arrive pas. Hop. Last. Alors, on va pas faire la même bêtise. Attends qui jette, voilà. Ah là. Du coup, je vais mettre en pause à partir de maintenant, faire du coup la fin du niveau, de tous les niveaux, de trouver toutes les pièces DK et autres. Et je vous reprendrai du coup à la fin de ça, de celle-ci. Ça, rien à voir. Allez, à tout à l'heure. Alors je reviens vite fait parce que du coup j'ai compris quelque chose, je suis retourné voir l'ours auquel on a donné le miroir. Le miroir du coup qui l'a fait lire à l'envers qu'il fallait faire un 8 autour de deux rochers. Du coup j'ai pu récupérer le miroir. Là il y a un troc, donc peut-être que je vais pouvoir troquer le miroir contre la clé. Voilà, hop. Tiens, prends cette clé, j'en ai plus besoin, voilà. Et du coup cette clé on va aller la donner à l'ours qu'il y a voilà, au bord barbelé. Comme vous avez pu le voir, il me reste du coup deux mondes à finir. Il y a celui-ci et comment on fait, on peut y aller plus vite ou pas? Non. Je vais te dire oui à chaque fois. Allez. Donc il y a lui comme monde, celui d'après, et normalement j'aurai toutes les pièces. Donc vous restez un peu avec moi. Voilà. On va aller voir le Bjorn. Ah, ce jeu frère de Benny, mon TLC est en panne, plus j'ai prêté ma clé à molette. Elle est à toi. Tac, voilà, comme ça, on peut l'utiliser gratos. Hop, et ce nous amène au fond, là où il y a un petit oiseau. La planque du pic. Ils font plus de bruit. Donc voilà, donc pour le moment je vais continuer là, vous voyez, je vais aller au premier niveau là-bas en bas à gauche et ça ira bien comme ça. Donc je vous reprends tout à l'heure. Et nous revoilà pour la dernière partie de la vidéo. Donc du coup comme dit auparavant, j'avais essayé d'avoir toutes les pièces de bonus et pièces DK avant de pouvoir commencer le monde perdu, donc je les ai toutes. Évidemment, il en reste quelques-unes qui sont dans le monde perdu. Donc voilà ce que ça donne là. Donc j'ai 29 pièces bonus restantes, 11 petits oiseaux et 35 pièces d'éca. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser... Enfin, je vais rejoindre là-bas. Et je vais vous laisser là pour du coup commencer les deux derniers épisodes bonus. Parce que je pense que ça me prendra deux épisodes, sachant que là il faut que je fasse les niveaux, plus trouver les pièces. Donc du coup... pourquoi il veut plus y aller? Voilà. Donc on est au Crémata, je vais faire un coup de bumper en plus. Voilà, j'ai le droit à 1. C'est dommage, il m'en manque une seule pour avoir le 2. Mais du coup, ça va aller jusqu'au bout là-bas et je pense avoir 1, 2, 3, 4 niveaux grâce à ça. Voilà, et il me manquera du coup toutes les pièces à avoir ici pour débloquer du coup encore, je pense, 16 pièces pour pouvoir débloquer les deux cailloux restants. Donc sur ce, je vous dis à tout de suite si vous voulez suivre la vidéo pour du coup la suite des aventures de Donkey Kong Country 3. Allez, salut !